Sphinx Campus, l'analyse univariée. Nous allons voir maintenant euh, si les téléspectateurs regardent plus la télévision, une heure, deux heures, trois heures, euh, ou plus par jour. Donc ce que l'on va faire, c'est que l'on va rechercher la variable qui traite de ce problème, c'est la variable 1, la variable fréquence, que l'on va mettre sur une nouvelle page du rapport. Donc je vais cliquer sur un petit plus. Je vais prendre cette variable fréquence que je vais glisser sur mon, euh, sur mon tableau de données. Et puis, on va... Je vais le mettre un peu plus au milieu. Voilà. Alors, on va peut-être déjà dans un premier temps regarder qu'est-ce qui apparaît. Donc, on voit que... Un grand nombre de personnes regardent la télévision plusieurs heures par jour. Euh, et puis ensuite, un certain nombre, une heure par jour. Et pas mal aussi, quelques heures par semaine. Après, le reste, c est, c est, ça reste quand même beaucoup plus. Euh, les, vrais, les résultats sont beaucoup plus faibles. Alors, la première chose que l'on aimerait faire, c'est peut-être déjà euh, renommer euh, le titre. Plutôt que regardez-vous. Souvent la télévision, on va renommer cela par temps passé devant la télévision. Je rappelle, hein, pour changer le titre, on fait simplement un double clic et on peut, après on peut bien entendu faire de, la, faire de la mise en forme avec cette barre d'outils euh, qui est disponible ici. Ensuite, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de regrouper. Il y, a six, il y a six modalités, c'est un peu trop important. Je voudrais regrouper ces modalités en trois grandes thématiques ceux qui regardent peu la télévision, ceux qui regardent moyennement la télévision et ceux qui la regardent de façon intensive. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va cliquer sur le bouton Gestion, enfin la. Le, le petit paramètre, la, la, la roue dentée de gestion des modalités, hein, c'est dans Options, Calcul, Gestion des modalités, on clique sur la roue dentée, et là, on va créer les différentes catégories. Alors, ce que l'on voudrait faire, c'est prendre quelques heures par semaine, quelques fois par mois, et jamais. Donc, quelques heures par semaine, contrôle quelques fois par mois, et jamais. Donc, ça, c'est vraiment les gens qui regardent presque pas la télévision. Donc, on va ranger tout ça dans une catégorie que l'on va, euh, va appeler faible. Ensuite, je vais m'occuper de la catégorie une heure par jour. Une heure par jour environ. Celle-là, je vais la renommer. Donc je vais créer une nouvelle catégorie une heure par jour nouvelle catégorie que je vais appeler moyenne. Et puis, on va regrouper ce qui reste, c'est-à-dire plusieurs heures par jour et plus de cinq heures par jour. Donc, on va sélectionner le premier, contrôle, sans lâcher, on clique le second, nouvelle catégorie, et là, on va nommer cela intensif. Voilà, nous avons nos trois catégories que l'on va peut-être euh, réorganiser pour que cela apparaisse dans le bon ordre. Intensif, moyenne, faible, oui, ça, ça peut peut-être convenir. Cet ordre-là me, me convient parfaitement. Donc on va faire OK. Donc là, on voit les gens qui regardent de manière intensive la télévision, ceux qui la regardent de façon moyenne, et ceux qui la regardent de façon faible. Nous pourrions peut-être enlever euh, les... Euh, les, les valeurs intermédiaires, là. donc on va décocher, détailler les regroupements, toujours dans Options, Calcul, on décoche, détailler les regroupements, ce qui me permettra juste d'avoir les trois catégories, intensif, moyenne et faible. À présent, nous allons nous occuper de voir s'il y a une valeur qui est significativement plus importante que les autres, donc on va déjà faire apparaître le tableau. Voilà. Nous allons peut-être pouvoir changer là le graphique plutôt que prendre des histogrammes. Donc, on va aller sur la partie graphique et on va choisir un graphe à secteur. Voilà, on voit qu'on a à peu près trois euh, parts qui ne sont pas tout à fait identiques. Et pour voir si justement le, la partie intensive est plus importante, vraiment plus importante que moyenne et faible, à ce moment-là, on va aller dans Avancer test et on va colorier les valeurs significatives. Et effectivement, le intensif ressort bien en bleu, donc on peut faire un commentaire pour indiquer qu'une grande majorité des gens regardent la télévision de façon intensive. On va placer donc un commentaire plus texte. Je vais prendre mon commentaire. On a toujours les mêmes difficultés pour l'attraper. Non, là c'est pas le bon. Là, je suis dessus. Ah, je peux pas le prendre. Voilà, là on le prend, on le met ici et on va saisir notre commentaire qui sera alors qui sera près de 40 Près de 40 des gens regardent la Télévision, plusieurs heures par jour. Point. Hop, on peut agrandir un peu, réduire un petit peu. Et puis... Voilà. Et on va enregistrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime et surtout à vous abonner à la chaîne.